même gars, la saga qui n'a ni queue ni tête. Pantablikum et le psy dans une séance d'hypnose. Ouais, mais pourquoi tu fais des guillemets avec tes doigts? Eh, t'es au courant que les auditeurs te voient pas? C'était pour signaler que ce n'était pas une séance ordinaire. Ouais, bah bref, fais clair et précis, s'il te plaît. Afin d'arrêter les hallucinations, Pantablikum et le docteur Johnson tentent une séance d'hypnose peu conventionnelle. Eh ben voilà! Quand tu veux. Ouais, mais tu vas quand même niquer mon effet. Waouh! Mais où est-ce que je suis là? Et pourquoi je suis à poil? Allô? Hey, machin, vous êtes là? Oui, excusez-moi. Je regardais mes mails. Quoi? Non mais vous foutez de moi? C'est quoi cette voix en plus? Oui, bon bah désolé. Ah, et ma voix ça doit être un effet du transfert à mon avis. Bon alors. Alors quoi? Allô? Oh! Vous êtes où? Mais comment ça où je suis? C'est vous le spécialiste, hein, c'est pas moi. Puis en plus, l'hypnose, pour rentrer dans le subconscient, c'est pas une activité que je pratique tous les jours. Ah, oui. Attendez que je me renseigne. Ah, ça y est. Oui, alors c'est normal, vous n'êtes pas encore dans votre subconscient. Là, vous êtes dans la phase de transfert. Et en ce qui concerne les vêtements, parce que me promenez le sifflet à l'air, c'est sympa 5 minutes, mais je pense pas que ça va coller à l'ambiance du truc, vous voyez? Oui, tout est normal. Quand vous arriverez au bon endroit, des nouveaux vêtements se matérialiseront, enfin en fonction du monde où vous serez. Ok, d'accord. Et une fois arrivé, je fais quoi? Bah, j'en sais rien. Pardon? J'ai mal compris, je crois que j'ai mal compris. Parce que vous êtes en train de me dire que vous savez absolument pas ce que je dois faire? Bah, dans les grandes lignes, si. Mais après, dans le détail, non. Et c'est-à-dire? En gros, une fois arrivé dans le monde, vous allez devoir jouer le jeu, si je peux dire. Vous devrez vous comporter comme dans vos jeux, sauf que bah là, vous serez au cœur de l'action. Et le seul moyen pour vous d'arrêter les hallucinations, ce sera d'accomplir toutes les tâches dans chaque monde. Et si jamais je venais à échouer? Vous serez à jamais bloqué dans le monde où vous vous trouvez. Ok, donc il s'agit de pas me chier en fait. Ah, et une dernière chose. Ah, je vous écoute. Une fois dans le monde, notre lien sera brisé. Vous n'aurez aucune communication. Il n'y aura que dans les phases de transfert entre chaque monde que nous pourrions parler. Ah, d'accord. Ça va aller? Ah, j'ai un peu les miquettes. Bon, le transfert se finit bientôt. Une dernière chose. Les personnes que vous rencontrerez, surtout ne les... Quoi? Allô? Oh, la vache! Ah, ça décoiffe! En tout cas, on pourra dire que... Que ça fonctionne pas très bien, que je suis toujours dans le transfert et que ça commence à me courir sur l'haricot de faire le guignolo à poil dans le noir! Wow! Vous êtes là, crétin? Wow! Allô? Oh, et puis cette façon de répondre, totalement normale et dénuée de motivation! Qui est là? Mais comment ça, qui est là? C'est moi, Andouille! Portablikum, vous savez, le crétin que vous avez envoyé dans le subconscient intersidéral de mes genoux! Mais parce que ça marche pas, votre truc, c'est de la merde! Et je vais vous dire un truc, vaudrait mieux pour vous que quand je reviens, vous serez parti parce que si j'ai malheur de tomber dans Star Wars et que je trouve un sabre laser, faites-moi confiance pour revenir avec et je vais vous mettre dans le c***.